Bah alors bravo Antoine. Allez bravo, Antoine, face à la caméra, on va se mettre sous la lumière. Ah bah, ouais, bravo, tu avais les reins solides là. Alors. Oui, bah en plus la dernière c'est Valentin qui l'a mise pour moi. Il a vu que je mollissais un peu et il a pris l'initiative d'en mettre une. Et voilà, mais c'est un marché très fort et il faut aujourd'hui, si on veut une bonne jument, il ne faut pas hésiter à vider ses poches. Et voilà. Donc je suis très heureux d'avoir cette jument. Elle appartient à un élevage qu'on ne présente plus et qui est toujours au sommet des résultats et du classicisme. Donc, quand on a une opportunité. Et, voilà. On t'a vu avec aussi Henri Devin. Vous êtes associé sur les. Non, sur... Henri n'est pas associé. Non, il était à côté de moi pendant la vente, mais voilà, non, il n'est pas associé. C'est la première fois que vous achetez une jument aussi si chère. Je vous rassure, je ne suis pas coutumier du fait du tout. Non, c'était mon enchère précédente, la plus élevée, n'avait rien à voir avec cette somme-là. Mais voilà, c'est... voilà. Donc, elle s'est élevée à combien, d'ailleurs? Que l'élevage français a encore de beaux jours devant lui. Donc voilà, c'est... voilà. Mais je suis très ému. Hein, donc c'est pour ça que je ne suis peut-être pas très éloquent. Et voilà. C'est impressionnant. Aucune idée de croisement pour l'instant. Mais bon, on a le temps de réfléchir, mais elle n'a aucune idée. Moi, je suis très heureux. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaisait le plus dans le pédigré? Oh, écoutez, je trouve qu'il y a de la vitesse. J'aime beaucoup Mutatir. J'ai trouvé que d'ailleurs la robe était assez intéressante parce que Mutatir étant alezan, la mère par Bering, elle avait un très beau bais. Donc, non, mais voilà, c'est. Non, surtout si quand on. Je me répète, mais. L'élevage famille Vertemer, c'est pour moi vraiment un emblème, une icône de qualité. Et donc, je suis très heureux, mais je reconnais que le marché est très fort. Parce merci. Que j'espérais pouvoir l'avoir à des prix un peu différents, mais bon, voilà. Bravo.